So I'm in my living room. I took the HoloLens home for the weekend. I'm sitting there and I look over to my right and I see the director, Kirkland. And she's sitting there on the couch, you know, telling me to solve the mystery. And I'm just like, okay, this is awesome. And I can't even begin to imagine what we could do with storytelling and with games with that new power of having people in your space, in your home. Fragments is this high-tech crime drama, one of the initial applications that we're releasing with the development edition of HoloLens, where you become the main character and solve mysteries that are actually brought to life by your world. Investigating the death of Jacob Baker. One of the key things on HoloLens is the world awareness. As we scan the room, we exactly know where the walls are, where the ground is, where the tables are. Whenever we know all the information about your room, it starts looking for different points where a character could put his hand and lean against. When you're playing Fragments now, we're able to put things like, you know, a thumbprint on a matchbook that we hide behind your coffee table. So you actually have to physically get up, you find that pivotal clue and solve the mystery. One of the awesome things about HoloLens is, at its core, it's a Windows 10 computer. It lets you make a Windows 10 application and lets you develop these awesome applications that are ranging everything from as small as Calculator to as big as Halo 5. Working with the Sobu Studio on HoloLens has been an awesome experience. We got a chance to actually work with a developer and explore what it meant to be somebody outside of Microsoft making the world's first holographic experiences. We have our own proprietary engine, like many game studios have, and we didn't have any problem porting that to HoloLens. It's a very interesting aspect of creating games on HoloLens, is that it's so fresh, it's so new. You basically need everyone to focus on this new paradigm. I really hope that Fragments shows developers that there's a great opportunity to tell amazing stories with the player at the heart of the experience for HoloLens. Director, we're receiving a call from the Pentagon. Maybe trying to smooth things over? But I honestly think we've just begun to scratch the surface and that other game makers are going to take HoloLens and be able to really surprise people. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, les objets sont géolocalisés, mais aussi les personnages. La force, entre autres, c'est que quand on a un canapé chez soi, on scanne la pièce. Mais en plus, les personnages vont utiliser notre propre mobilier, c'est une des forces de ce jeu. Mais vous avez eu plusieurs problèmes à résoudre avec ça, c'est que du coup, on oubliait certains objets qui étaient posés dans le décor, ou comment se projeter. Parce qu'en fait, le scénario, vous avez dû le réadapter complètement, c'est pas le même qu'en réalité virtuelle, ni même qu'en cinéma. Et quels ont été les problèmes que vous avez eus justement au cours du développement, et quelles solutions vous avez trouvées pour pouvoir justement inclure l'auditeur. How did you solve them? Alors, c'est effectivement une des énormes différences entre la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui partage certaines des problématiques de l'écriture de la réalité augmentée, mais pas toutes. Il y a quelque chose de très spécifique, c'est effectivement le fait qu'en réalité augmentée, on n'essaye pas du tout, au contraire, de couper l'utilisateur, la personne qui fait l'expérience, de l'univers dans lequel il est. C'est le contraire. On essaye absolument de maintenir le monde dans lequel il est réellement et d'ajouter par-dessus une expérience. Et donc, quand on est dans le domaine de la fiction, on doit parvenir à impliquer l'utilisateur, le joueur dans le fragment, dans une nouvelle problématique, mais qui prend compte qui il est, où il se trouve, etc. C'est ce qui, clairement, dès le départ, est complètement nouveau, dans la mesure où aucun livre, aucune pièce de théâtre, aucun film, et même aucune expérience VR, ne propose cette problématique-là de mettre l'utilisateur lui-même dans sa propre cuisine au centre de l'expérience. Voilà. En fait, quand on va dans un jeu vidéo, la réalité virtuelle, ou quand on regarde un film, on peut se transposer beaucoup plus facilement. Le cerveau permet beaucoup plus facilement d'un personnage à un autre. On change un petit peu. C'est comme si on prenait un déguisement. Dans la réalité mixte, du coup, on reste soi-même et on vient avec son background personnel.
Et du coup, il faut arriver à faire évoluer le cerveau du coup, vers cet environnement qui est mi-réalité, mi-hologramme. C'est ça, c'est much more difficult because you stay yourself. En fait, c'est pour la narration et pour tous les aspects d'un développement en holographie, c'est-à-dire on essaie toujours de rendre les hologrammes les plus crédibles possibles dans l'espace pour qu'on y croit. On essaie toujours de faire avec le son spatialisé comme en VR, on essaie vraiment de d'ancrer les éléments virtuels dans le monde de la manière la plus crédible possible. Et c'est pareil en fait pour l'utilisateur qui fait partie du vrai monde, en réalité c'est lui qui choisit où il regarde, c'est lui qui choisit de se déplacer, parce qu'on fait rarement bien dans son propre environnement. Et donc il y a tout un tas de petits tricks au départ très, on va dire, ce qu'on appelle bas niveau, c'est-à-dire le simple fait que par exemple les personnages holographiques suivent le joueur du regard et l'observent clairement ou réagissent à d'autres personnes dans la pièce. Et tout ça en respectant les codes sociaux que nous partageons, comme la distance, on va dire, qui est plus ou moins universelle de tolérance de l'autre, quand on est trop proche. Il faut que l'hologramme réagisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ma bulle personnelle, etc. Et également, faire comprendre à l'utilisateur qu'il peut se déplacer. On avait énormément de difficultés au départ. Les gens, en fait, sont tellement habitués à avoir des expériences... À être passif, en fait. Exactement, être assez passif. Il y a aussi un petit peu de problème en VR, mais là, c'est même le déplacement dans une pièce, puisqu'on faisait un jeu d'enquête, donc il fallait stimuler l'utilisateur à se déplacer dans sa pièce pour trouver les éléments nécessaires à l'enquête derrière leur canapé, sous un lit, et au départ, les gens étaient en fait regardés devant eux et ne bougeaient pas et regardaient devant eux, et il a fallu créer une fantaisie, un scénario qui permette aux gens petit à petit d'entrer dans ces nouveaux codes et un peu, on va dire, créer la grammaire qui leur permet de comprendre qu'en fait on est tombé, qu'ils le regardent autour d'eux et qu'ils se déplacent, etc. Et d'ailleurs, vous avez des petits tricks très sympas. Alors, dans Holotour, c'est une autre expérience qui permet de voyager, de visiter, de découvrir des villes comme Rome, par exemple. Il y a un moment, au lieu d'avoir une flèche qui clignote pour faire tourner la tête, il y a un petit lézard qui se balade sur un mur. Et sur le moment, on se dit, tiens, c'est marrant, ils ont filmé le lézard au bon moment. Non, en fait, il avait été rajouté dans le... C'est un menu interactif un petit peu différent, c'est qu'on suit le lézard des yeux, mais du coup on bouge la tête et on rentre dans un autre champ, et on découvre la suite de l'histoire. Donc ça fait partie de ces petites choses-là. Dans Fragments, il y a des rats, à certains moments, mais il y a aussi des sons pour justement faire bouger les personnages. Est-ce que vous pouvez un petit peu justement nous raconter ces évolutions de l'histoire ? Quels sont tous ces petits tricks que vous avez utilisés ? Alors par exemple, il y en a un qui a assez fortement informé la structure de l'histoire, c'est qu'en fait dans Fragments, pour donner le contexte, c'est un jeu d'enquête où l'utilisateur a en fait la capacité, grâce à une nouvelle technologie, de pouvoir reprojeter dans son propre cerveau des scènes de crimes qui se sont déroulées, lui permettant de résoudre des crimes que personne d'autre n'aurait pu comprendre, voire y compris le faire en temps réel. Et donc tout l'enjeu du jeu lui-même, hein, pas de la narration, mais du jeu lui-même, était d'amener le joueur à regarder des indices et à les trouver comme justifiant. Cependant, la complexité à ce moment-là, c'est de spatialiser l'espace et de forcer les gens à regarder quelque part et à se déplacer pour le trouver. Et donc, narrativement, on a ça coché, on va dire, plusieurs cases, à la fois les cases, la nécessité du jeu lui-même, des règles du jeu lui-même, mais aussi de la narration, c'était de dire... Ces mémoires, en fait, on a de la difficulté à les reconstruire, donc il faut que l'utilisateur s'applique et écoute où les fragments de mémoire se situent dans son espace, soit capable de s'approcher de son spatialisé. Puis quand il s'approchait de ces éléments de mémoire, voir les fragments de mémoire qui commençaient à se reconstruire, et quand il a parvenu à maintenir son regard à l'endroit précis du nœud, on va dire, de l'élément de mémoire, effectivement, les objets se reconstruisaient, les éléments de la mémoire se reconstruisaient, y compris des personnages, etc. Et donc, petit à petit, comme ça, l'utilisateur reconstruit en fait la scène, d'abord et avant toute chose. Là où on se rend compte qu'au départ, quand on donnait la scène, on va dire, dans ce jeu, les gens n'exploraient pas, les gens savaient oublier où étaient les objets, et ne comprenaient même pas la narration de l'histoire. Alors que là, en fait, pas à pas, on récompense son joueur à chaque fois qu'il trouvait un élément narratif et de la fin du jeu lui-même dans l'espace. À la fois, il comprenait mieux l'histoire et également mémorisait beaucoup mieux la position de chacun des objets dans la scène. En fait, le cerveau a besoin finalement de redécouvrir le lieu, parce que c'est un lieu qu'on connaît bien.
Et finalement, plus l'attention sont posées les objets ou sont les personnages. Parce que parfois, en fait, d'ailleurs, parfois même, ils ne les voyaient pas. Il y a des verres d'eau, des choses comme ça qui sont plutôt tellement naturelles. Et du coup, le cerveau a besoin d'être éduqué, en fait, et donc ces petits fragments qui apparaissent, d'aller les chercher, de les recomposer, ça permet vraiment de mémoriser au fur et à mesure. Et quand on revient dans la scène plus tard, en fait, on se souvient beaucoup mieux de ce qu'il y avait de marqué, par exemple, sous une dalle ou... Il y a un moment où je crois qu'il y a une boîte d'allumettes qu'il faut chercher sous un canapé. Et pour la trouver, ça n'a rien d'évident. Et le fait qu'on l'ait trouvée vraiment en l'ayant cherchée, ça permet de la retrouver et de se souvenir ce qu'il y avait dedans dans le cours de l'enquête. Et je pense que pour que tout le monde comprenne, très souvent, l'indice lié à l'objet qu'on trouve n'est pas donné juste en trouvant l'objet, c'est l'interprétation de l'objet qui compte. Moi, j'ai rarement fait trouver des objets, mais le charme de l'enquête, on va dire du jeu de Cluedo, c'est en quelque sorte une sorte de Cluedo, c'est plus dans le sens qu'ont les objets, donc la capacité de les retrouver et les observer que de trouver l'objet lui-même. C'est une espèce de minority report, escape game qu'on transpose chez soi, et qu'on peut en plus changer d'endroit à chaque fois qu'on se déplace avec ses HoloLens. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à ajouter ou est-ce que vous voulez qu'on commence? En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'avec tous les intervenants précédents, notamment ce qu'évoquait Gilles Frayssinet, je pense, en fait, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça, et en dépit du caractère un petit peu promotionnel de la vidéo qui reste un des bons moyens de montrer qu'est-ce qu'est le jeu, Microsoft, en fait, a un petit peu, comme on a pu entendre avec les intervenants précédents, réellement investi pour comprendre quels étaient... les enjeux en fait, pour réaliser l'expérience, parce que c'est un vrai jeu, même s'il n'y avait pas de public, parce que HoloLens n'est pas aujourd'hui un équipement qu'on peut acheter dans le grand public, donc il savait très bien qu'il n'y aurait pas de public pour ça, qu'ils ne gagneraient pas d'argent en faisant un véritable jeu. Cependant, on a réellement eu à faire ce jeu tel quel, tel que si c'était le cas, de manière à apprendre ces problématiques et à comprendre effectivement comment on articule une narration et comment, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça implique de raconter une histoire dans le présent, en prenant en compte le monde réel. Et l'un des mantras initiaux du programme dans son ensemble, du programme HoloLens dans son ensemble, et donc qui est vrai, je pense, dans l'ensemble de la réalité mixte, c'est la notion de... le monde est, j'allais le dire en anglais, pardon, mais le monde est central à l'expérience. Traduction un peu foireuse. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment un filtre de lecture qui permet, que ce soit en matière de narration, de son ou de visuel, d'améliorer chacune des idées qu'on peut avoir quand on écrit pour la réalité mixte. Parce que quand on ne le fait pas, on a tendance très facilement, les gens retombent très facilement dans un sillon ou VR ou cinéma ou jeux vidéo qui en fait ne répond pas à la beauté du média, de ce nouveau média. Donc justement, là on a parlé d'un jeu vidéo, mais est-ce que ça peut s'adapter à des journalistes ou un film justement de la réalité mixte ? Est-ce qu'on peut scénariser quelque chose dans ce domaine ? Vaste question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... je vais répondre un peu avec quelque chose qu'on fait par ailleurs en ce moment, parce que comme effectivement, il n'y a pas de débouché, on va dire... Pas pour le moment, parce qu'il y a des casques qui arrivent quand même. Ça arrive, bien sûr. Le but n'est pas d'arrêter, mais voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est... L'une des applications majeures pour lesquelles les industries sont friandes en ce moment, c'est effectivement d'assister les personnes qui travaillent dans un contexte où il y a des process, par exemple, un peu lourds, et où il y a énormément de déplacements, et où il y a un besoin de main-d'œuvre énorme. Par exemple, on sait qu'on a un énorme besoin en main-d'œuvre pour entretenir les avions et tous les avions qu'il y aura dans le futur. Et on sait déjà qu'on est dans l'incapité de former tous les gens qu'il y aura à l'échelle mondiale, qu'il faudrait. Et la réalité augmentée permet donc d'aider et d'assister des gens qui essayent d'accélérer la formation, voire même de limiter une formation, enfin la rendre plus courte, en les assistant dans leur vie tous les jours et en progressant donc dans le lieu où ils doivent effectivement faire leur travail, et non seulement les guider physiquement dans un espace, mais également en face de cet espace, pouvoir reconnaître un objet et de pouvoir pointer les différents éléments et dans quel ordre il faut les opérer, etc. Donc j'imagine qu'avec la progression des techs, donc typiquement la reconnaissance d'image et
Si on couple ça avec tout ce qui est neural network, etc., et la reconnaissance de forme, là aussi recouplée, il y a matière à l'avenir à faire en sorte que la réalité augmentée permette d'exposer plein d'autres techs en temps réel auprès de n'importe qui. Et c'est là où c'est puissant. Bon, après, faudrait réfléchir davantage pour répondre précisément à la question. En fait, tout est à créer dans la narration. On est qu'au début. Donc, si vous avez des idées, en tout cas, il y a tout à inventer et il y a encore plein de startups à créer sûrement dans le domaine. Est-ce que vous avez des questions? Là-bas, au fond. Down there at the back. Oui, bonjour. En fait, c'est pas vraiment une question, disons que quand je vous ai écouté, ça m'a vraiment fait penser à une autre idée. C'est-à-dire que dans le programme que vous proposez, vous travaillez sur la mémoire, sur la mémorisation, sur la stimulation, et que je trouve ça très très intéressant. Et je me disais en fait, est-ce que c'est un programme qui pourrait aussi être développé pour les personnes qui sont, par exemple, puisque vous personnalisez et scannez les endroits, est-ce que ça pourrait être, par exemple, une stimulation pour les personnes qui souffrent d'accès qui ont justement un souci avec leur mémoire et là je ne parle pas en tant que scénariste mais véritablement retrouver leur propre histoire, ne pas l'oublier, pour voir ne pas perdre leur repère. Donc voilà, c'était juste en fait une question que je me posais en fait en vous écoutant, parce que je trouve que c'est intéressant évidemment en tant que scénariste, parce que ça ouvre un champ incroyable, mais au-delà du travail de scénariste, c'est aussi une utilité, et tourner vers l'autre, vers l'humain, et je trouve que c'est un outil qui est incroyable, un moyen incroyable. Voilà. Alors, tel que vous présentez, ça a l'air tout à fait effectivement pertinent. C'est que moi, je ne suis pas spécialiste de la maladie d'Alzheimer, donc j'ai du mal à me figurer si, oui ou non, l'outil serait complètement pertinent ou pas. L'une des caractéristiques, c'est qu'il y a une des caractéristiques de l'arité mixte et qui est frappante quand on le fait essayer aux gens. Et finalement, peu de gens ont encore eu vraiment la chance de pratiquer. Souvent, les gens ont une idée préconçue de ce que c'est, puis quand ils disent, oui, c'est quand même complètement différent de la VR, par exemple. Et une des énormes différences, c'est de rester connecté au monde réel, et notamment, effectivement, vous avez l'air d'entendre aux véritables humains, parce qu'on continue de garder un contact oculaire et de garder la possibilité d'avoir un échange verbal et même le langage du corps. Et ça fait qu'effectivement, les relations humaines, alors qu'on porte un casque HoloLens, en fait, continuent d'être complètement possibles et qu'on peut partager d'ailleurs des expériences. Et donc, juste pour le dire, le versant scénaristique, participer à plusieurs également, en étant soi-même dans un environnement réel, à une histoire. Et dans le cas d'Alzheimer, j'imagine bien dans ce cas-là, quelqu'un qui souffrait de cette maladie et qui serait donc précisément dans son environnement, essayer de maintenir les connexions neurones liées à sa propre mémoire dans son environnement, mais augmenter avec des hologrammes de manière à pratiquer un exercice qui permettrait de l'aider. Ça a l'air tout à fait pertinent. Je peux difficilement en dire plus, je ne suis pas médecin. Et c'est pas Asobo qui bosse sur ce genre de projet, mais il y a en effet dans les cartons des projets. Pas forcément sur Alzheimer pour l'instant, mais dans le domaine médical, il y en a beaucoup pour assister les médecins, entre autres sur des interventions chirurgicales compliquées. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur les autistes. On entendra parler d'ici quelques mois, je pense, parce que c'est au début, il y a plein de choses qui sont faites actuellement dans le domaine médical. Oui. L'arrêté virtuel, l'arrêté augmenté pour les applications professionnelles de santé, etc., existe depuis, a été développé depuis 25 ans. Et donc, tous ces domaines-là, toutes les thérapies en environnement virtuel, toute la maintenance, c'est pas des choses qui vont arriver, c'est des choses qui existent depuis les recherches ont été développées il y a 25 ans. Les gens de la FRV, par exemple en France, et ça fait depuis 10 ans que les thérapeutes utilisent. En réalité virtuelle, mais où du coup. En réalité virtuelle ou en réalité augmentée, ça dépend. En réalité, c'est ça que vous voulez. Mais il y a des choses, par exemple, sur la maladie de Parkinson.
les gens qui ont du mal à garder les petits en marchant, la réalité augmentée, et qui utilisent, bon, on disait pour le lens, mais il y a d'autres cas de réalité augmentée qui existent après les différentes technologies. Ben, ce n'est pas la même communauté, il faut bien comprendre. C'est une autre communauté qui n'est pas encore connue parce que c'est des applications professionnelles. Maintenant, ça va être le grand public. Mais il faut quand même bien savoir, que tout le monde sache bien que la réalité augmentée a déjà été utilisée pour les applications industrielles, de santé, de formation, depuis très longtemps. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il reste, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les casques arrivent maintenant à un autre prix, un prix qui baisseront pour le grand public. Les casques HoloLens permettront d'autres usages. Absolument, et d'ailleurs, ce que vous dites est tellement vrai qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, personnellement, je me suis orienté vers le jeu vidéo, c'est aussi parce que quand j'avais 14 ans, ma mère m'avait invité à Paris à un séminaire où précisément on faisait déjà quasiment ce qu'on fait aujourd'hui en réalité virtuelle, mais avec des machines qui étaient hors de prix. Et donc absolument, et j'ai aucun doute que... Mais on va dire la différence, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, c'est la démocratisation des hardware utilisés et les outils qui viennent avec pour que, effectivement, ça puisse sortir des labos de recherche qui avaient une approche très exclusive et où maintenant, voilà, c'est déjà appliqué concrètement, la maintenance, c'est quelque chose de classique pour l'industrie, mais ça va se développer encore. Ça va s'accélérer très vite dans les prochains mois. Sur les autistes, il y avait aussi beaucoup de choses qui ont été Beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question? Final question. On a au fond à gauche. Et après, je suis désolée, il faudra qu'on enchaîne sur la suite. Si vous voulez poser des questions à David, ce sera en dehors de... Bonjour, j'ai une petite question. Apple a lancé il y a quelques semaines un kit de développement pour la réalité augmentée. Est-ce que du coup, ça va dans le sens de la démocratisation? Est-ce que vous pensez du coup que les écrans mobiles est la première fenêtre de diffusion pour la réalité augmentée? C'est quand même assez différent. Comme d'ailleurs dans la phrase que vous venez de prononcer, vous dites fenêtre. Je pense que la plus grande différence est là. Pour bien exprimer que la différence avec le casque de réalité augmentée, c'est qu'en réalité, on n'a plus le... une fenêtre reste une fenêtre, une lucarne, pour prendre la métaphore classique liée à l'écran quand on bascule dans un autre univers. Bon, là voilà, c'est vraiment une lucarne. Avec les casques de réalité augmentée, on n'a plus cette lucarne, on est directement dans l'univers. C'est la grosse différence. Par ailleurs, mais là, on va rentrer dans... c'est très technique. Le lieu, mais on va dire les grosses différences, en tout cas avec HoloLens, c'est la capacité à scanner l'environnement. C'est peut-être un peu nouveau quand même, malgré tout, même si ça n'est que le fils d'effectivement d'expérience menée il y a très longtemps, mais la spécificité de HoloLens, c'est la vitesse de scan et la capacité à analyser, on va dire, l'environnement, qui permet de comprendre et donc qui permet de s'adapter et donc par exemple, d'écrire des histoires où on prend en compte où est le joueur, s'il est dans sa cuisine ou s'il est dans son salon, en analysant le nuage de points qui est autour de lui. Là-dessus, HoloLens est en avance. Mais là, du coup, on parle de différences de hardware ou d'OS. Bon, c'est un détail parce que tout ça va merger. En termes de démocratisation du grand public, c'est clair que l'année dernière, on a vu que Pokémon a démocratisé le mot réalité augmentée. Les gens ont enfin compris ce que c'était grâce à ce jeu, il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai qu'Apple a lancé ce terrain, ça va faciliter la vie à tous les autres constructeurs et développeurs parce que justement le grand public va comprendre que les prix vont baisser et qu'on va pouvoir, tout le monde va pouvoir y aller et les gens vont acheter en comprenant plus facilement. Je vous remercie. Thank you very much.